On va partir sur un Meta Knight de la part de Rwandol. On part sur Conan City, Meta Knight contre Pikachu. Elkeki ouvre avec un air loop. Joli. 43, 42%. Donc, pour l'instant, net avantage de la part de Enki, qui est en train de 0 to death point dodge, 0%. Là. Ah, le 0 to death a été interrompu. Et ça part sur. Ouh, joli air dodge. Un ladder. On a Rwandol à 143% contre 82%. Oh, la confirme qui a failli passer. Et la dash attack qui va prendre la première stock. Le grab de Rwan qui a été un peu trop. Qui a été de trop. On part sur un edge guard. Beaucoup de nerfs. Pikachu qui revient de très très loin. On a une roll get up pour sortir du corner et reprendre le stage. Beaucoup de stall. Ouh là là, le nerf qui a failli prendre la stock et le back air qui va venir catch le side B de Enki. Et on repart en neutral, Enki qui met le premier coup mais qui se fait ladder par un début de ladder par Rwandol. Up tilt, nerf, aucun tout rien. Voilà, Jabrizette, dommage. Très bien, bien les pourcents. Le fer qui va catch Rwan, je vais dire strictement sur lui. Up B, into up pair. Le nerf. Un autre B, un peu plus fait, j'ai l'impression. Allez, allez. On est le smash qui va catch Rwan. Deuxième stock prise. Plus que une pour prendre cette game numéro 1. On repart en neutral, Enki avec Stumble Jolt sait faire. Fair into up air. Beaucoup de bread and butter, d'autres back air. Reverse neutral B, nice. Fair landing qui n'est pas safe malheureusement. Et on a une échappe, un smash qui a été puni par un EP. Yep. Peu de Thunder Jolt de la part de Enki, mais il a l'air de faire sans le jab. Tonnerre qui ne va pas punir, trop lent. On attend en deuxième tempo. On reste safe, on gratte les pourcents, 78%. Enki qui a un net avantage, la spot dodge. Don't throw up air, le re-grab, back throw into Waveland. Don't smash, qui ne veut pas prendre la stock. Très bel angle. Up B auto shift qui va prendre la stock. La stock pour les deux joueurs. Mais on commençait, il faut juste un ladder pour prendre. Oh le nerf, bonne DI de la part de Enki qui ne va pas se faire nerf en offstage. Et ramener sur le stage plutôt. Je ne connais pas bien les ladder pourcents, mais là, un bon air off stage ou un bon back air peut tuer. Mais Rwandol qui remonte très bien. Il met beaucoup de smash, c'est très très bizarre. Beaucoup de nerfs, la dash attack qui ne tuera pas encore le nerf. Le salvé pour couvrir. Et la dash attack qui va prendre la première game. Enki qui prend la première game à Rwandol. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à sortir les deux premiers. Les deux joueurs de Lausanne Esport dans ce tournoi. Ils seront bientôt.
Oui, en effet, le smash de Meta Knight est safe on shield. Et il peut, s'il veut, smash into don't smash, ça peut prendre les gens off guard. Mais c'est très risqué parce que si on tient le shield, à moins que ce shield bug, ça peut être fatal. On repart sur Tonen City. C'est pas si Brandush qui met les premiers coups, mais qui se fait tout de suite combo par Enki avec ses uppers. Le beau upper bridge. C'est beau ça. Le upper qui est très 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 fort. On le voit ici. Et très très bien sortir la dash attack qui aurait été mieux de grab, je pense. Parce que le Thunder Shot permettait à la personne de garder son shield, elle est très grave. On a le jab. Le down B qui ne va rien toucher. Le smash chargé qui ne va pas tuer parce qu'il était à très bas pourcent. Mais on voyait quand même offstage. Il va se faire nerf grave. Le fer qui va prendre le dernier coup du fer qui va prendre la stock. 2 à 2 stocks à 3 stocks. Et là, on prend les pourcents, les nerloops qui sont très très bien réussis. 49%, 50%, 64%. Magnifique. Les combos qui sont connus. On a. Oh là, enfin, j'ai pas vu la deuxième stock qui est déjà partie. Oulala. Là là. On dirait que Monsieur Rohan Doge est en train de se faire read. Est-ce qu'on peut avoir un reverse de momentum? La tech, il n'y aura pas de tech sur le B, malheureusement. Première stock prise, plus que deux. On sait qu'il peut prendre des stocks très 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 tôt. Le deal qui fera trip et qui permettra de grab. Très très beau. Les upers qui marchent très bien contre Vanoche, le Don B qui est un double trip de la part de Nautilus de Meta Knight. Pikachu, mais voilà. Deuxième game prise par Enki. Retourne sur Tonen City. On a un switch Sora de la part de Rwando. Je vais dire Meta Knight. On a un switch sur Sora de la part de Rwando. Est-ce que ça changera quelque chose? Mais on sait, c'est devenu un Sora Meta. Peut-être qu'il connaît mieux le match-up avec Meta Knight, c'est pour ça qu'il est parti sur Meta Knight. Ou peut-être que Sora est la réponse. Ou le bear, comme on l'a dit avant, qui prend très bien les coups Don't Smash. La SDI qui a failli marcher, qui a failli sortir du Don't Smash. Ou le Smash qui a failli passer sur la Jump Get Up. On a de nouveau un Enki qui a un très très bon avantage. Il n'est pas à respirer Rwan Doge. Oh, il a trop de drift, trop glissé. Je vais air dodge sur les thunder. Pas de confirm. EP qui va juste mettre quelques pourcents, on ne va pas tuer avant au moins 120. F-Tilt qui se tentera de prendre une get up option. Donc pas de don't-tilt of smash, il a sauté. Pas de tech, Enki qui n'arrive pas à tech ce genre de interaction et l'air don't smash pour la stock.
2 stocks à 3. Comme avant, les 3 dernières stocks de Rowan Dodge. Une perdue, plus que 2. Encore 2 stocks et c'est la fin pour lui. Il nous reste encore 9 stocks à prendre pour gagner ce set. Est-ce qu'il arrivera à le faire? On a vu ça. Les revers de momentum. Pour l'instant, on a l'air d'avoir un end kick qui sait ce qu'il fait. Un EB, un grab, upper. Des pourcents, on aime mettre des pourcents avec Pikachu. Ou le F smash qui a failli tuer avec toute la rage. On n'a pas envie de trade quand on est en retard. On juste grab, c'est bien. Le F-tip, ou bien up smash qui a failli tuer. Là on a beaucoup de rage, ça devient très très dangereux de la part de Rowan. Là tout peut tuer et lui aussi il peut tuer, mais il aura pris 160% et la dash attack qui va tuer. Il aura pris 161% en 2 stocks et lui il aura pris 2 stocks. Est-ce que ce sera 1-3 stocks de la part de NT contre ELS Rowan Dodge? Nous le saurons très bientôt. Ouh là là, j'aurais pu tuer, je pense. Pas de tech. Tooner. Oh, joli. Joli mix-up de la part de Rowan. Mais... et la SD de NT. Pas de 3 stocks, mais on a... beaucoup de combos encore de la part de NT qui lui arrive. Très bonnes exécutions. Dernier loop, peut-être, non. Ouh là là, le F smash qui prend à 86% sur la neutral get up. Waouh. Gros glass cannon. Fait très très mal. Est-ce que on a eu un reverse de momentum? Allez, Rowan Dodge peut nous amener en game 4. Le cross-up. La dash attack qui a failli tuer à 127%. Le Sonos Vol. Up throw. Non, F throw. Pas de up throw. Très safe. Pas besoin. Oulala. On a un très très bon ledge. Et pas de side B, une SD malheureuse de la part de Les Wandosh. NT qui aura sorti les deux membres de Lausanne eSport.